Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas développer deux points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, ou toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombado Police, équipe TV Caraïbes nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo. En ouais, responsable parti politique paysan yo mandé PNH là pour désarmer divers groupes qui gen zam illégal cap simé la troublé dans tout pays a, non façon pour tout monde capable mener activité yo sans problème. Et l'autre information nous gen pour dirigeant l'église apostolique Tabernacle la foi yo, pour tirer 3 journées séminaire dans leadership chrétien en faveur plusieurs centaines leaders protestants ici dans Haïti. Et bien ces informations ça nous porter pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier. Travail ça doit fait sans passe pour qui. Tout groupe doit désarmer. Pas de question choisir un groupe, quitter un autre groupe. Tout groupe doit désarmer. Tout le monde doit circuler sans tracas dans tout pays. Parti politique paysan a fait tout acteur politique qui connaît que ce décret électoral 2015 là, constitution 1987 amendée, ak loi sous parti politique 2014 là qui applicable dans moment n'a parlé là qui donc différents textes que plusieurs organisations internationales n'ont tête collé ak certain monde dans société civile là ak dans classe politique là pas arrivé voter dans parlement même gens l'idée pour te passer maintenant loi sous parti politique là décret électoral là causé amendement constitution sans oublier cadre légal sous question collectivité yo. Parti politique paysan mandé acteur yo pendant après les un mois derrière insécurité, l'injustice, corruption, chômage ak la misère. Faut nous pas oublier élection libre ak transparence, c'est plus gros source légitimité qui donc yon moun yon voix. C'est peuple là qui pour choisir moun qui pour al dialoguer nan nol. Pour ça arriver fait, c'est nan organiser bon gens élection n'a rivé déterminé acteur sa yo. Le monde évangélique que n'a pris kounye a, croissance a si tellement grandi, nous besoin de temps en temps renouveler que parole la plus dans l'idée nous yo. Eh bien, trois jours sa yo, travail que nous faisons, c'est bah au matériel pour mettre nos mains et pour que yo capable de retourner la caillou dans le ministère pour yo capable de continuer à faire croissance l'évangile là, aller plus vite et plus loin. Et bien maintenant, ça rend nous contents parce que nous gagnons aussi et non seulement le président de la Fédération protestante et non seulement ça, nous gagnons des pasteurs étrangers qui sont dans Caroline du Sud, South Carolina, c'est pasteur Eddie Smith qui peut enseigner et prêcher la parole de Dieu. Motif qui cause que je viens là, motif principal là, étant en tant que président de la Fédération protestante d'Haïti, c'est venir encourager toute activité spirituelle qui a fait dans le secteur protestant en Haïti au plus haut niveau que possible et aussi travailler avec toute l'église comment nous sommes capables de vivre dans une parfaite harmonie côté que nous sommes capables de vivre dans une parfaite unité tête ensemble pour nous capables d'avancer avec le royaume de Dieu sur la terre d'Haïti. Donc c'est une occasion noble pour moi-même pour m'encourager nous tous frères pour m'arriver pour continuer à prier bon Dieu et former tête nous parce qu'il y a des grands défis que nous gagnons devant nous dans le moment ça parce que le pays n'a pas arrêté comme ça. Non seulement on a prié pour bon Dieu changer Haïti, mais pas oublier, moi toujours dis ça dans le discours, ce n'est pas bon Dieu qui descend en personne qui vient délivrer le pays ça. C'est nous-mêmes qui pour prier et puis agir. Ce n'est pas seulement prier et puis tendre, c'est prier, agir. Tout ça dépend de nous. On nous fait pour que le pays soit capable de changer. Pour nous, une nouvelle Haïti. Parce que chrétien, si c'est comme ça,
nous fait carré fait genou nous donc fléchir à terre nous pas jamais jeune résultat n'a prétendre à mettre toute bagaille bon Dieu connaît toute bagaille non oui bon Dieu connaît toute bagaille mais changement pays d'Haïti bon Dieu c'est pas nous mêmes la passer il dit pas prendre yon étranger il pas prendre yon autre nation pour venir délivrer pays ça c'est les frères et sœurs haïtiens bon Dieu pral utiliser pour nous capable transformer pays d'Haïti ça qui considéré comme yon route dans Caraïbes là yon route dans Amérique là et bien yon jour Haïti capable reprendre dignité li capable vinn tourner perle des Antilles encore côté que droit à respect haïtien capable faire à travers le monde entier. Good God with all of your might. Merci pour tant que nous avons passé ensemble, content de ce que nous avons instrumentaire dans ce qu'a fait aujourd'hui en Haïti. Nous venons pour nous aider ou encourager pour bon Dieu capable ensemble avant dans ce qu'il va faire. In my lifetime, I have watched many nations change. Dans tant que pendant que ma vie, moi, nous qui observait un pile transformation qui fait dans un pile nation sur la planète là. I grew up in a nation where segregation was the norm of the day. Moi te vive dans un pays, moi vive dans un pays côté ségrégation. Ça veut dire garder moun sous couleur peau et niveau yo humilié en pile. But God moved on his people and they began to pray. Mais bon Dieu t'a agi parce que les moun yo te parler, les moun yo te prier et quelque bagaille qui arrivait. And today, black, white, and every other nationality, we worship together. Et aujourd'hui, il y a une transformation qui fait tellement que ni noir, ni blanc, quelle que soit la couleur ou nationalité, nous mettons ensemble pour louer et adorer. We work together, we play together, we go to school together. Nous marchons ensemble, nous jouons ensemble dans la même école. I watch as the European nations change from a communistic government to a better form where everyone was allowed to worship God. Moi, passé dans pays communiste, j'ai observé comment en dépit de philosophie communiste, yo vini bon côté liberté de la parole, liberté de l'adoration, vini yo leitmotiv. I encourage each and every one of you to heed the word of God. Moi, ap encourager nous tout kap tandem, kap gadem pour nous capable payer attention à la parole de Dieu. We are commanded to pray for those that are in authority. Nous, bon Dieu, ben nous l'ordre dans la Bible pour nous prier pour tout le monde qui est en autorité. That we might lead a quiet and peaceful life. Pour nous capables de vivre une vie en toute quiétude, en une vie de piété. I encourage you to pray for your leaders. Je vous encourage tous les capitaines de Gadem pour nous prier pour les leaders nationaux. For it is God who rules over the nation. Parce que c'est bon Dieu qui a régné, c'est bon Dieu qui a géré sur toute nation. As my brother said a few minutes ago. Même Jean-Président Fédération, je dis tout à l'heure. We know that God is powerful. Nous connaissons que bon Dieu est puissant. But yet he has made us his agents of the earth. Mais c'est nous-mêmes qui fait des agents de transformation. Jesus is the head of the church, which is his body. Jésus est la tête de l'église qui est son corps. The head can only move through the body. Mais pour corps faire action, il faut que corps l'immobile. So I'm asking every one of you pour ça, va demander nous chaque to take some time. Prenons-nous. To get on your knees before God. Mettez-nous sous genoux nous devant mon Dieu. And pray for the peace of God on this nation. Et priez pour la paix d'Haïti. Priez pour la paix dans la nation ça. Ask God to forgive us and to heal this land. Mandez bon Dieu pour pardonner nous. Mandez bon Dieu pour guérir pays. And God who dwells in the heavens. Et bon Dieu nous qui habite du haut des cieux. And His Spirit in the hearts of men. Et l'Esprit qui habite dans le cœur des hommes. Will move and bless this people. Il va agir et il va bénir la nation. We are praying for you. N'a prié pour vous. We love you. Nous aimons. God bless you. Que bon Dieu bénisse nous tous. Nous la matin pour nous dire réunir ensemble pour nous dire bon Dieu merci. Est-ce que bon Dieu fait nous grâce, nous capables la matin et avec tout leader pour nous prendre formation ça. Formation ça veut dire un paquet de bagaille pour nous, c'est affermir nous davantage dans l'évangile et permettre chaque leader encore des moyens pour encore et consolider l'église, consolider fidèle yo pour capable faire mieux davantage malgré situation problème, malgré situation la vie, malgré situation pays d'Haïti, mais bon Dieu dans amour lui permettre nous réunir dans temple pour nous encore prendre formation ça. Et
nous continuons pour nous dire que, en dépit de tout ça qui a passé dans le pays, en dépit de tout ça qui a pris, ça n'a pas attendu, bon Dieu fait nous grâce. Et ça n'a dit à chaque leader, et d'une façon spéciale, et comme apôtre Paul, là, et dit à un peuple Philippe là, c'est dans verset Philippiens chapitre 4, le verset 6, qui dit que ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Cela veut dire chaque leader qu'on a de responsabilité pour prier pour prier, pour connaître solution. Ce n'est pas dans la main nous qui est lié, mais c'est dans la main l'Éternel. Je dis, nous tous nous chita là pour nous capables parler justement de une visite que nous avons effectuée à travers nos différents bureaux régionaux en deux pays. Côté que nous avons commencé à visiter ça depuis le 10, qui t'a pris fin le 22 février. Visite ça a été faite dans l'idée ou encore dans l'objectif de renforcer la capacité structurelle des bureaux de l'ONM en vue de les rendre beaucoup plus opérationnels. C'est pour raison ça, belle équipe ça à travers ONM, bureau central, t'es déplacé justement pour être capable à rencontrer avec l'autre monde qui est dans le bureau régional pour être capable qui ça que au besoin pour travailler t'es capable beaucoup plus efficace. Jean-président de la République, son excellence Jovenel Moïse, lui instruit nous ça. Constat yo qui ça yo yé le nous rivé, que ce soit à Malpas, que ce soit à Santo, côté nous gagnons justement centre d'hébergement nous, et que ce soit du côté du Grand Nord, nous voulons parler du Nord-Est à Wanamet, nous voulons parler du Cap-Haïtien et nous parler également du Port-de-Paix, côté nous t'es présent, j'en dis, du 10 février au 22 février. Constat yo, nous voyons d'abord que bureau ONMO à travers région yo manquait visible, donc yo un peu caché. C'est ça qui fait que gain en pile migrant le retourner en d'un pays de manière forcée, yo pas fait inscrit automatiquement à travers bureau ça yo. Déjà décision déjà prend pour que nous identifier tout bureau nous à travers région yo, de telle sorte que chaque le on migrant lui-même il a retourné de manière forcée et que l'a gagné justement l'obligation pour le faire enregistrer. Et nous connaît que ONM pas lagué migrant yo, nous Jean président de la République l'a dit nous ça, lorsque migrant yo fin identifié, eh bien nous prenons le travail pour nous permettre que yo réinsérer dans communauté a comme ça doit. Nous gagnons effectivement un constat que nous fait ont besoin de matériel de bureau à travers ensemble de régions ça yo. Déjà le cap est déjà mis, je dirais, sur la question d'achat de matériel pour nous capables renforcer, j'en nous dis, en capacité structurelle ONM. Nous gagnons également au niveau de constat yo, ont besoin en termes de ressources humaines. Et que moi-même, moi toujours dis, ONM besoin en pile bras, justement, qui préposait à l'accueil, et comme le stipule clairement, je dirais, mission ONM, qui c'est accueillir migrants et réinsérer migrants, donc, il est évident que nous avons besoin en pile monde, justement, pour nous capables préposer à accueillir nos compatriotes de retour forcés en Haïti. Et pour nous faire ça, nous ne pouvons pas aller par quatre chemins, puisque ONM dispose de un personnel adéquat pour faire travailler ça. Maintenant, nous avons seulement arrivé converti de commis administratif sous base de formation justement que y a recevoir. Et là nous saluons des partenaires tant que l'OIM, tant que l'ambassade américaine qui toujours mettait disponible et disposé pour aider ONM dans le niveau ça. Donc il est clair que nous prenons gagner dans un laps de temps de monde qui prend formation pour capable préposer à l'accueil gens besoin lui-même lui fait sentir lui au niveau de bureau régional yo. Gagner tout
une question de petite caisse. Parce que pour le fonctionnement des bureaux régionaux, gagner un ensemble de besoins qui pas obligé de sortir directement dans le bureau central là. Parce que on imagine que des produits de nettoyage que un bureau régional a besoin, par exemple si on prend Port de Paix à Wanamet, alors m'a parlé de Wanamet, m'a parlé du bureau Port de Paix, m'a parlé du Cap Haïtien, et que faut que c'est dans le bureau central, j'en ça te qu'on fait avant pour produits de nettoyage ça sortir pour aller dans le bureau ça. Donc court trajet des fois qu'on plus que ça produit lui-même l'écouter en soi. Donc je dis il est clair que nouvelle administration ça a doté chaque bureau justement de une petite caisse cap capable permettre que vous fait face à de besoins internes que vous gagnez. Et puis nous parlons tout de moyens de locomotion, et là je pense que c'est notre tout bureau régional, que ce soit Malpass, que ce soit Wanamed, que ce soit Belader, que ce soit Port de Paix, eh bien nous voyons que gagnent ont besoin pour que bureau ça yo pour gagner de moyens de transport qui capable permettre que dans moment il a fait référencement à d'autres instances tant que Ibers etc. Eh bien n'a besoin au moyen pour nous capable arriver transporter des capables dire compatriotes nous, et nous connaît surtout en pile fois si la République dominicaine qu'on gagne là-dedans yo que maltraité qui pas capable marcher qui gagne problème femme enceinte justement qui compte besoin fait couche au niveau de centre côté n'a pas recevoir mon yo. Donc ça veut dire que besoin de locomotion hein, nous pensons que les on ne peut plus important et urgent, et déjà nous commençons travail avec ensemble de partenaires yo, le pouvoir central pour que nous voyons comment nous ta capable porter solution à besoin ça. Voilà, équipe Tivika et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbe, et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.